Eh bien bonjour à vous tous, c'est Nectal, j'espère que vous êtes tous très bien pour la part, désolé, ça va super, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait c'était pour la nouvelle saison. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de contenu d'aujourd'hui, mais c'est une toute mini mise à jour, mais je vais surtout vous parler de la prochaine mise à jour qui arrive dans une semaine. Vous allez voir vraiment, il y a des nouveautés sur le jeu qui sont exceptionnelles, vous allez voir ça va changer votre visu du jeu, vous allez voir. Toutes les nouveautés que je vais vous dire dans cette vidéo, vous allez être choqués. Donc aujourd'hui, c'est une mise à jour toute petite avec quelques petites modifications sur le jeu, donc il n'y a pas de téléchargement à faire. Mais dans une semaine, vous aurez la grosse mise à jour que Fortnite vont ajouter. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Bref, c'est parti pour la vidéo. Avant de débuter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Tu t'abonnes, tu mets la cloche des notifications, tu passes à l'écran sans exception. Voici 10 personnes qui se sont abonnées avec la cloche, donc mets la cloche, abonne-toi, et puis tu pourras passer à l'écran. N'hésite pas aussi à liker la vidéo pour me remercier de la vidéo que j'ai faite, et n'hésite pas aussi à mettre ton pseudo Fortnite en commentaire si tu veux que je t'ajoute sur Fortnite et que je joue avec toi à la nouvelle saison. Bref, du coup, alors je vais vous parler de cette mise à jour. Déjà, aujourd'hui, on a quelques réglages. Mais dans les prochains jours, il va y arriver du lourd. Déjà, d'ici quelques jours, on aura la sortie d'une arme, c'est celle-ci. On l'avait vu dans le trailer de la nouvelle saison. C'est une arme qui tire à moitié des cycloches. Les cycloches, c'est les petits ronds en métal qui sert à scier. Et ça, quand tu vas tirer, comme vous voyez, et ben ça va casser les constructions. Alors, je ne sais pas réellement si ça sera le but principal, mais on sait que ça va arriver d'ici très bientôt. Également, une grosse information, un grappin va faire son arrivée sur le jeu. Donc, c'est pas un grappin comme les autres, c'est un grappin qui s'utilise presque pareil que les gants de Spider-Man. Juste, ça sera pas une toile d'araignée, ça sera une ficelle pour le grappin, donc vraiment ça change pas grand chose des gants de Spider-Man, mais ça va arriver dans les prochains jours. Également, d'ici un mois, on aura un créatif, un tout nouveau créatif sur Fortnite. Ça veut dire, pour vous dire qu'on aura un nouveau créatif, c'est pas un créatif où ils vont améliorer quelques petites choses, c'est que carrément le créatif entier va changer. Il l'appelle créatif V2. C'est un créatif dans lequel vous pourrez modder vos maps. Ça veut dire c'est aussi modable que GTA. Vous pourrez créer vos textures de bâtiments, vos textures d'armes, vous pourrez créer des nouvelles armes si vous voulez, vous pourrez créer un pistolet grenade, vous pourrez créer n'importe quoi, vous pourrez créer vos véhicules avec la tête que vous voulez, vous pouvez très bien créer une tour Eiffel véhicule, ça marchera aussi. Toute la map créative que vous allez faire sera modable, vous pourrez tout faire dans les détails, et je pense que les gens vont créer du coup la map saison 1 chapitre 1 de Fortnite avec toutes les armes qui existaient, parce que oui, on aura un espace aussi grand que la map actuelle sur Fortnite. Donc dites-vous qu'il y en a, ils vont créer la map en taille réelle de la saison 1 avec les armes qu'il y avait à la saison 1, parce qu'on peut modder des armes. Toute la map entière, je pense que ça pourrait être exceptionnel. Tout ça, le Creative V2 va arriver d'ici un mois à deux mois sur Fortnite. Et pour continuer et sûrement pour finir, on aura la faille à débris qui va revenir sur Fortnite. Vous vous souvenez de cette faille que vous lanciez qui lance des débris, donc c'est le but du nom. Et bah la faille va revenir dans le jeu d'ici quelques jours. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la grosse mise à jour qui arrive. Là c'est une toute petite mise à jour de contenu avec des trucs qui se verront presque pas sur la map. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle mise à jour de Fortnite. Bref, c'était Nectal. À très bientôt pour une vidéo. Allez, ciao.